dur cette vidéo. Mais what gros? Mais les gars, c'est insane où je suis là. Mais c'est insane les gars, c'est super stylé. On est clairement les gars dans la machine de Midas. Là c'est un truc de fou, franchement les gars. Ok les gars, j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire les potes. On est parti tout simplement, on va regarder les gars des glitches d'un américain. Du coup voilà, il y a un américain les potes qui trouve des glitches assez souvent. Et là les potes, il nous a trouvé tout simplement 10 petits glitches. Donc on va voir ça ensemble les potes. N'hésitez surtout pas les gars à mettre un gros like et vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. On est parti les potes, on commence tout simplement avec le premier glitch. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires les potes. On est parti, on va réagir tout simplement à ces glitches. Les potes, si on atteint 1000 pouces bleus, on testera tous les glitches tout simplement en game normal. Donc voilà les potes, 1000 pouces bleus est égal un testage de glitch. Du coup voilà les potes, on va tester les glitches. Donc voilà les potes, faites moi péter les 1000 pouces bleus, likez, abonnez vous bien sûr, le petit code créateur Zakifer pour avoir un petit cadeau dans la boutique d'objets. On est parti les gars, on commence par le premier glitch les potes, c'est tout simplement les gars de remettre son planeur. Donc voilà les potes, voilà, je me suis un petit peu spoil, j'ai un petit peu regardé les deux ou trois premiers glitches histoire de voir s'ils sont bien tout simplement, histoire de vous proposer une vidéo assez bien. Donc voilà les potes, tout simplement les premiers glitches, c'est tout simplement les gars un déploiement de planeur, hein. Enfin genre tu redéploies ton planeur comme avant tout simplement. Sauf que là les potes, c'est un petit glitch parce que maintenant bah on peut plus redéployer le planner. En tout cas c'est super stylé, franchement je vous dis la vérité. En game normal c'est vraiment super cheaté. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Mais voilà, du coup j'essaierai sûrement en game. Si on atteint les 1000 pouces bleus les potes, on peut le faire. On a fait 11 000 vues les gars sur la dernière vidéo. Donc merci beaucoup aux personnes qui ont regardé cette vidéo. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Et là les potes, vous allez voir qu'il va redéployer tout simplement le planeur. C'est un truc de fou, franchement les gars. Regardez les glitches comme ils sont super super cheatés. Vraiment, c'est pas des petits glitches éclatés au sol. C'est vraiment les gars des glitches importants et qui peuvent tout simplement tout changer dans la game. Parce que vous regardez, imaginez vous êtes là, vous avez la hauteur, il y a quelqu'un qui casse, vous mettez un petit pad bleu et vous pouvez redéployer votre planeur et fuir super loin. Franchement c'est super cheaté, en tout cas n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Alors ici les potes, il y a tout simplement un rocher qui est glitché, du coup un rocher les gars qui est bugué et que vous pouvez vous cacher dedans. Donc voilà les potes, c'est assez cheaté aussi. Voilà, si on fait des pp cache-cache, la team biscuit vous connaissez, vous allez vous cacher ici, je vais jamais vous trouver. Là c'est clair et net les gars, je vous trouve jamais si on fait une pp cache-cache les potes. Voilà, on en fait souvent en live, n'hésitez pas à venir tout simplement pendant les lives, ça fait extrêmement plaisir. En tout cas voilà les potes, c'est super super stylé, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, vraiment il est dans le caillou et ça c'est super cheaté parce que si vous cachez ici et qu'il y a un mec qui vous voit pas, il y a moyen que vous le tuez. Du coup on ira tester ça les potes, si elle a mis de like sur cette vidéo, n'hésitez surtout pas. On continue tout simplement les gars avec un petit glitch avec une voiture cette fois-ci. C'est pour conduire les gars sur l'eau. Voilà, c'est quand même un glitch assez important, on va pas se cacher. Du coup voilà, tout simplement les gens ils peuvent conduire sur l'eau. Voilà, alors je l'ai déjà fait, je vous dis la vérité les gars, là, voilà, je l'ai déjà fait. Donc si elle a les 1000 likes bien sûr je vais le refaire. Mais il y a certains endroits les gars, vous allez conduire sur l'eau avec la même vitesse et tout. Franchement vous perdez pas votre véhicule, c'est vraiment super cool, vraiment c'est super super cool. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous aussi vous l'avez déjà testé ou pas les gars. Voilà, ce glitch est assez connu, c'est le glitch tout simplement pour rouler sur l'eau. C'est super stylé. Franchement c'est super super stylé. Vraiment moi je trouve ça super stylé et franchement super cheaté surtout. Parce que même si vous n'avez pas de bateau, bah regardez les gars, comme vous allez vite sur l'eau, vous allez aussi vite sur l'eau tout simplement que quand vous conduisez normalement. Et là il va complètement sous l'eau les potes. Et là c'est un truc de fou. Par contre ça je l'ai jamais vu. Il va complètement sous l'eau. Ça par contre j'ai jamais testé. Ah ça serait vraiment super cool de tester en vidéo ça par contre. Ouais et ça a l'air trop stylé, vraiment. Wesh il est sous l'eau les gars. Et là les gars il reste là toute la game, il fait top 1. Moi je vous dis la vérité les gars, là c'est un top 1 facile de ouf. Du coup ok, en gros tu peux pas construire. Ok, et qu'est-ce qu'il va faire lui? Qu'est-ce qu'il va faire? Tu dois réanimer ton pote à travers la barricade, ok. Mais pas regarder, ok, j'ai capté à peu près. Du coup voilà, en gros tu regardes partout et ça va le réanimer instantanément. Je sais pas si vous avez vu les gars, regardez comment ça le réanime vite, ok. Faut juste avoir le truc les gars, appuyer pour réanimer. Et normalement vous pouvez le faire, du coup voilà, regardez comment ça réanime vite. C'est un truc de fou, franchement c'est super insane. Ça rappelle le glitch tout simplement avec avec le truc les gars, le sac à dos. Je sais pas si vous l'avez vu les gars, je l'avais testé en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller le voir, il sera sûrement les gars dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir les gars, vidéo secrète, vous cliquez dessus. Et j'avais testé pas mal de glitch. En tout cas ce glitch était super stylé. Alors le invisible glitch, what the fuck, c'est quoi ça? En gros il sera invisible c'est ça? Attendez les gars, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Wesh. Attendez, mais c'est quoi ce glitch? Ok. Il slide. Mais pourquoi il slide? C'est un bug non? Mais what? Mais c'est quoi ce glitch? Mais attendez. Mais pourquoi il slide comme ça? Mais what? Mais il va sortir d'un map là. Mais me dis pas qu'il va slide sous. What? Mais c'est un truc de fou. Il slide sous l'eau.
Non, ok. If the player, non, ok. En gros, s'il rebouge, il devient visible. Ok. Ah, mais c'est cheaté! Ça veut dire le mec, il peut aller où il veut comme ça. Bah ouais, il va super vite en plus. Ouais. C'est vraiment un glitch super cheaté, ça. Ok. Du coup, tu peux rentrer tout simplement dans les cristals. Ok. Bon, on va regarder les gars s'il va réussir à rentrer dans le cristal. En tout cas, c'est super stylé. Vraiment, les glitches, les gars, sont super stylés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je les trouve vraiment incroyables. Alors, on va regarder les gars. Il va essayer de rentrer tout simplement dans le cristal. Ok. Mais wesh, les gars. Mais attends, mais c'est. Mais c'est insane là. Mais il est dans. Mais il est invincible, les gars, comme ça. Il est invincible. Mais what? Est-ce qu'il peut sortir? Non, il peut pas sortir. Oh, non. Par contre, les gars, c'est un glitch vraiment incroyable. Est-ce qu'il peut tirer à travers les ennemis? C'est ça que j'ai envie de savoir. Est-ce que tu peux tirer, frérot? Il peut construire, mais est-ce qu'il peut tirer? Voilà, là, il va faire. Voilà, comme ça, on voit son pote. Mais c'est un truc de fou, les gars. Vraiment, ça. Par contre, ce glitch est incroyable, les gars. Ce glitch est super cheaté. Faut voir si on peut tirer à travers les potes. On va faire une vidéo dessus, les gars. Là, faut me faire péter les 1000 likes. Comme ça, on fait la vidéo dessus. Parce que ça a l'air d'être vraiment insane, les gars, ces glitches. N'hésitez pas à les essayer. Essayez, les gars, les glitches. Essayez les glitches. Ils ont l'air d'être super cheatés, en tout cas. Mais what, gros. Les glitches qui nous sortent, c'est un truc de fou. Hein. Alors, le floating glitch, ok. C'est pour flotter, en gros. What, c'est quoi ça? Ok, il se met dessus. Mais non. Mais non. Et là, bah oui, bah. Et là, il allume tout le monde, tu vois. Ça me rappelle avec les bonhommes de neige. Les glitches avec les bonhommes de neige. Mais what, gros, eh, c'est insane, les gars. Franchement, les glitches sont vraiment super stylés. Hein. Et là, t'es à la hauteur, tu fais fumer tout le monde littéralement. Et ils seront même pas outés. Ils seront même pas outés. Du coup, là, c'est vraiment super cheaté. Encore une fois, les gars, un glitch vraiment qui. Tu vois, il sert à quelque chose. C'est pas un glitch nul. Ok. Ok. What? Il est passé à travers le truc, gros. Ok, t'en as un ici. Tu le reprends. Tu le rejettes. Et il passe à travers. Ok. Bah, ça passe à travers les murs. C'est. Ok, bah Fortnite a mal codé tout simplement. Et ça passe à travers, ok. Ouais, c'est pas non plus un glitch de ouf, ça, on va pas se le cacher. Ah, ça passe même à travers les constructions comme ça? Mais arrête. Mais what, gros? Mais les gars, mais c'est incroyable ça par contre. Ça par contre, c'est stylé. Ça, c'est stylé. Mais le reste, c'est pas ouf, hein. On va pas se le cacher que c'est pas ouf. Crash server glitch, ok. Ah, bah oui. Ça, les gars, c'est pour les petits trollers. Je sais qu'il y a des petits trollers en tant qu'abonnés. Ils aiment bien faire crash tout simplement, les créatifs. Du coup, voilà, si vous rejoignez un pote à vous, vous pouvez faire crash son créatif. Le code, bien sûr, les gars, je le mettrai tout simplement dans les commentaires. Je mettrai, les gars, le petit code de cette map. En tout cas, voilà, super stylé, franchement. Après, tout le monde aura 1000 de ping. Alors, oui, ça va être. Ah oui, ah oui, là, ça bug pas mal, là. Là, ça commence à bugger. Là, les gens, ils vont commencer à rager, les potes. Hein. Mais ça, c'est incroyable. Franchement, les gars, qu'il y a des maps qui font laguer le créatif, c'est vraiment insane. Hein. Regardez, les gars, comment il bug, le mec. Il bug de fou. Là, les potes, si vous voulez faire rager des gens, faites ça parce que là. Ça peut faire rager vraiment pas mal de monde. Après, faites-le pas, les gars, on est en créatif entre nous. Bon, ça, c'est pas cool. Mais vraiment, si vous voulez faire rager quelques personnes, ça peut vraiment être sympa. Ça peut vraiment être sympa. Ok. Et du coup, what? Mais what? Les gars, c'est un emplacement totalement secret, ça. Le Midas Room in-game. Mais what, gros? Mais il est où? Mais les gars, c'est insane où je suis, là. Mais c'est insane, les gars. C'est super stylé. C'est vraiment super stylé. Par contre, ça, les gars, c'est vraiment super stylé. Où est-ce que c'est? Mais what, les gars? On est clairement, les gars, dans la machine de Midas. Là, c'est un truc de fou. Franchement, les gars, c'est vraiment un truc de fou. On a l'agence Genesis. C'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, les potes, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, surtout pas, les gars, à liker, vous abonner, mettre le petit code créateur à kiffer. Voilà, du coup, petite vidéo, les gars, où je vous ai présenté pas mal de glitches. On n'hésite surtout pas, les gars, à liker, à s'abonner. C'était Zach. Bye bye, tout le monde.